Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice, bienvenue pour la suite de Benjamin Hunter Investigation Ace Attorney, Mighty Dwarf, bref, tout ce que vous voulez pour le milieu de l'enquête. Nous sommes arrivés, a priori, à l'aéroport, l'avion s'est posé, un meurtre s'est produit dans un avion de classe, un avion assez imposant qui possède quand même 2 étages et un ascenseur. Un meurtre s'est produit et nous devons savoir ce qu'il s'est passé. Ah oui, Madame Dessuyer qui devait nous épauler et nous surveiller pendant cette enquête n'a jamais eu l'accord du commandant de bord. Ah mon Dieu! Que se passe-t-il? Serait-ce ce mystérieux personnage que nous avons vu au tout début lors de l'écran de sélection? Eh oui! Oh, comment j'ai parlé tellement fort dessus! Et bien sûr, c'est contre elle que je dois me battre! Ah mon Dieu! Ah les fameux coups de fouet différés, c'est très étrange. Oh mince alors, excuse-moi d'avoir eu un père avocat de la défense. Comment? Non mais t'es sérieuse? C'est vraiment ce que tu crois. Genre vraiment. Elle se fout de moi. Elle est mignonne. Oui, évidemment. Oui, évidemment, même si tu as perdu contre notre ami Felix Wright 4 fois d'affilée, ton credo est toujours le même, même s'il est dégueulasse. Ah mon Dieu, détective! Comment? Oh, notre ami détective, dis donc! Oh, cette petite salutation en 3D. C'est tellement beau. Je vais te poser des questions, inspecteur. Et là, bizarrement, ça ne rame pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais dis-moi, inspecteur de mon cul, parce que tu n'es pas doué. Comment va Francisca? Ah bon? Un incident particulier. Mais qu'est-ce que cela veut donc dire? Non, attends, t'en parle pas parce que t'es un boulet. Voilà. Oh, étrange que tout cela. Suis sûr qu'elle doit avoir un pouls très élevé. Elle était trop réactif, mais évidemment, il y avait marqué Hunter dans suspect. Oh, tiens-moi, c'est mignon. Ah oui, parce qu'on francise bien tous les noms.
Normalement c'est au Japon, mais sauf que là on est en France. Ah là là. Parlons un peu au personnage. Disneyland, pas mal, j'ai l'air d'avoir assez de succès pour avoir leur propre succursale. Une édition limitée, oh oui. Parce que... tu es pauvre. Évidemment. Ouais, c'est la même discussion que n'importe lesquelles. Ok. Et là, il y a un petit enfant. Eh oui, il y a eu un meurtre ici. Tu es un grand enfant. Ah mon dieu, je peux courir, incroyable. Il peut courir, c'est magnifique. Je l'ai fait. Waouh. Incroyable. Quoi? C'est quand même très très fort d'avoir réussi à amener un gilet de sauvetage à l'extérieur d'un avion quand tu l'utilises pas. Peut-on admettre que c'est du vol? C'est une bonne question. Ah mais c'est le commandant. Copinet, oh là 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 là, mon dieu. Oh non, mince alors. Oh non, c'est l'intrigue secondaire, l'intrigue amoureuse. Ah là 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 là. Bonjour, je passe, ne faites comme si je n'étais pas là, il ne s'est rien passé. C'était un coup de fouet. Ah, il y a le timbré là. Les blancs, tu m'énerves, tu me les brises. Le blanc, tu vas te taire. Mais qu'est-ce que c'est que cette cargaison? C'est des tableaux? Des poteries? Costumes, des sortes de tatus. Mais dis donc, c'est décemment intéressant ce que tu me dis. Dis-moi donc, monsieur Leblanc, qu'est-ce que c'est que donc que cela? C'est comment? C'est présenté. Voilà, j'ai présenté. Dis donc, c'est un petit peu étrange. Alors, Paul Ginet, incroyable. C'est bizarre un petit peu. C'est incroyable. C'est une statue. Alors, mais de qui parles-tu? Mon dieu, vite! Ah, bonjour Francisca, comment vas-tu? As-tu trouvé Détroit?
Oui, enfin je me suis auto-donné carte blanche, hein, tu veux, si tu veux savoir. Ah bon? Mais dis donc. Quoi? Hein? Quoi? Quoi? Non, hey, je suis pas d'accord. Wow, hey, je suis... Non, je suis... Non. Non, mais... Non, je... Je ne suis... Mais tellement pas d'accord. Alors, le lieu du crime, c'est ici, dans la... Entre le moment où la victime a appelé une hôtesse et où son corps a été retrouvé, la seule personne qui s'est passée, c'est salope, c'est putain, nia, un opening, si ça, et puis quoi encore Ah bah oui! Oui! Ah là là, ah oui, oh là là, c'est incroyable, merci, tu es tellement gentil de me donner tellement de pistes. Bien compliqué pas les choses, oui, bon, ça, j'en fous. Oui, sans doute. Le pif, ça marche toujours le pif. Non mais on se fout de ma gueule, Francisca, tu es... Ah, tu es trop... Il y a des trous. Tu es... Un fromage. Un fromage. Et oui! On a déjà la musique? Ça fait que des minutes? Oh là là, c'est incroyable. Ah, il faut bouger son boule. C'est tellement bien. Là, je me fous disparaître. Là, c'est la musique que je veux. Plaît-il? Voilà, c'est incroyable. C'est absolument faux, ça. Et oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Ah, mais j'ai déjà une preuve. Alors, non, c'est pas ça. Là, non, c'est pas ça. Il est où? Non, non plus, non plus. Ah, c'est où déjà? Mais si les roulettes. Les roulettes. La roulette, vite, zoom, c'est comment c'est, XY. Les fameuses petites roulettes. Oh, quoi? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, mais si je suis bête. Évidemment. Oui, je... Non, mais c'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui le prouve? Je ne sais pas, sans doute, ces traces de pas. Alors, visons un pas. Là, on va dire ça. Oh! Ah oui, excuse-moi. Voilà, ici. C'est bizarre. Et oui. Et oui, c'est incroyable ce qui se passe. Oui.
incroyable, le bon sens. Comment ça? Ah mon dieu! Elle a d'autres arguments. Oh 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 alors. Oh comment c'est gros! Oh comment c'est gros! Oh comment c'est tellement gros ce que tu viens de dire! Ah la vache! Oh la vache, ça fait mal ce que tu viens de me dire! C'est tellement faible! Ça c'est faible, faible! Après, avant, il n'y a pas un problème. Non, zéro. Oui, c'est là. Waouh, ce serait un retournement de situation, n'est-ce pas? Tu en conviens? Oh, et oui, parce qu'il y aurait du sang. Et puis il l'a fait passer. Oui, bon. Attention, les enfants! Ah non, on n'a pas l'animation! C'est très tiré par les cheveux, mais ça se tient! C'est bizarre, hein. Eh, c'est pas débile ce qu'il dit. Oh. Oui. Mais oui, mais alors non. La saute aussi. Ouais non, la saute c'est extérieur. Et oui. Incroyable quoi. Ah bon? Tu te fous de ma gueule. Vas-y, vas-y, fini. Ouais, c'est ça, mon cul USB. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que seules les personnes ayant accès aux clés de la vitrine sont suspectes. Ah mon dieu! Ah bah oui, évidemment! On met tout sur le dos de la secrétaire, hein! Évidemment! C'est incroyable, tu es une mauvaise foi! Oui, bien sûr, ouais. Est-ce que tu veux venir avec moi faire un bout de chemin dans cet avion théâtre d'un crime? Bon, Cassos, c'est vous. Dégagez, toi, il faut qu'on parle avec un inspecteur, un procureur et un officier de police. Ah mon dieu! Est-ce que c'est le moment émotion? Non, je suis un fantôme. Vraiment, je suis obligé de faire 4 mètres pour lui. Il peut pas me parler de dire. Oh mon dieu! Ce visage. Le destiné de toute émotion. Alors.
Vous avez 5 secondes pour émettre une proposition. Je pense que soit les complices, soit c'est une intrigue secondaire amoureuse, comme il en existe plein. Ah non. Ah mon dieu, une révélation. J'étais pas loin avec la relation amoureuse. J'étais pas loin du tout. Oui, bon, ça, on s'en fout un peu. J'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'il se fait accuser à tort. Oui. Non. Absolument pas. Enfin, presque, à moitié, on va dire. Oui. Ah mon dieu. La boutique. Oh là là, c'est incroyable. Je m'étais chargé de la boutique. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment? Allez, on présente la valise. C'était pas le bon bouton. Ça fait moche. Ça, c'est pas de la déduction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que j'ai en plus. Tu hésites un petit peu beaucoup. Tu hésites un peu beaucoup sur cette réponse. C'est très étrange. Pardon ? Quoi ? Oh oh. Comment cela, une seule ? Non, on l'a pas acheté, c'est une pièce à conviction. Mais parce qu'elle est moche. Elle est fluo. Comment dire, oui, ça fait mal. Je sais, mais... Ouais, bon, c'était... un peu trop direct. Oui, il en reste encore. Ah bah justement, c'est le problème que je me pose. C'est étrange que tout cela est... Oui, c'est étrange. Ça me gratte l'oreille aussi. Ah oui, il y a une valise là, j'avais pas vu. C'est... Vas-y. Évidemment. C'est trop facile. Pardon, j'irai très fort. Si toi aussi, je suis à trouver directement un poste bleu. Regarde bien cette étiquette. Est-ce que c'est l'indice? Oui, c'est l'indice. C'était un indice extrêmement mal caché. Et je dois l'avouer.
Voilà, donc bon, dis-nous tout de suite ce qu'il y a dans cette valise. Oh, est-ce qu'elle auto-achète les valises? Cette valise, c'est toi-même. Voilà. Écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de dire qu'on ne peut rien cacher. C'est prévisible, prévision. Ça ne se dit pas. Elle auto-achète les valises. Oui, voilà. D'ailleurs, ça ne se voit toujours pas. Je le pense. Oh. Faudrait qu'on en parle au directeur d'ailleurs, parce que c'est un peu moche et faudrait peut-être revoir. Non, il est fluo. Il est fluo. C'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. Je tiens à le dire. Wow. Attends, mais depuis combien de temps tu travailles du coup? Ça t'en fait combien? Ah, je te le garde. 12h40. Oh la vache! Oh si! C'est moche, mais c'est comme ça. Tu es choqué? Non oui, tu es choqué, je le vois à ton visage. Attends, il y a une ascenseur. Oh, mais cet avion est de plus en plus bizarre. Je commence à me demander si c'est réellement un avion ou si ce n'est pas un Transformers. Est-ce que tu pourrais me donner ton pass, enfin me le prêter? Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Moi, je pense. Voyez-vous, je pense. J'aimais une. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu es énervé. Bon, moi, je pense que ce n'est pas May, c'est entre Jessica et le commandant de bord. Ah oh, vas-y, dis-moi tes déductions infaillibles et toujours parfaites. Ah bah oui. Oui! Oh mon dieu! Incroyable! C'est un. Oui. Il faut utiliser un pass magnétique différent. J'ai rien compris à ce que tu viens de me dire. Et bien sûr, c'est May! Oh là là! C'est incroyable! Le retournement de situation absolument pas prévisible. Ce scénario tient vraiment la route. Mais qu'est-ce que... Tu m'énerves! Donne-moi... Prête-le-moi. Oh mon dieu, il a disparu? Il a disparu. Il a disparu. Gagné. Incroyable, le rebondissement de cette situation est... rebondissant. Oh mon dieu! Même pas de résistance.
Bah parce qu'il me passait mes notes 0. Ça a été contente. Ah bon? Comment cela? Ah oui, il faut que je trouve des preuves. Oh là là, c'est vrai. Tu m'énerves avec ta règle. Eh ben moi aussi. Tiens, voilà. Tiens, cher, je vais faire pareil. Et c'est déjà fini. Et c'est déjà fini. Eh ben ça aurait été un petit épisode. Enfin, je... C'était court. C'était assez court et je dois dire que c'était pas plus mal. On en sait un peu plus. On en sait un peu plus et... Et donc du coup, Francisca Van Karma, le retour de ce procureur incroyable qui a une défense qui ne tient pas du tout. Cependant, on en reste au point mort, même si Hunter est innocent, eh bien May est coupable. De ce que l'on voit, mais les indices sont dans la soute. La soute que nous irons voir très bientôt dans la prochaine vidéo sur My Siege Wolf Investigation et Saturn Lee. Merci d'avoir suivi ce petit épisode en ma compagnie. Enfin, ce petit épisode qui aura duré une petite demi-heure. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à la commenter aussi bien sûr, à me suivre sur Twitter où je suis présent et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour My Siege Wolf Investigation Ace Attorney.